Voilà. Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour l'événement de Fortnite Battle Royale. Ah bah voilà. L'événement avec le robot. Malheureusement, j'ai pas pu le diffuser en live, je le sais. C'est dommage. Mais il y a eu des bugs. Beaucoup de bugs pour lancer le live, donc j'ai décidé de le faire en vidéo et je vous le publierai normalement demain. Bon, moi je vais aller travailler. Eh hey, Brice, j'ai un truc à dire. Tu vas me dire si c'est vrai. OK ? OK. J'ai peur. Brice ? Ouais. Attends. Monte le son de ton micro parce que j'entends rien. OK. Tu m'entends mieux ? Attends. Est-ce que tu m'entends mieux ? Allô ? Oui. Bonne chance à vous, équipe. Ah voilà. Comptez sur nous. J'ai un truc à dire. Tu vas me dire si c'est vrai ? Faites l'amour, pas la guerre, avec un pote, c'est moins cher que les bombes nucléaires. T'as peut-être pas tort. Avec ça, avec ça, j'ai eu 1 sur 20 en histoire. Sur 20. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire buter, toi ? J'ai sorti ça à monsieur Lepré, il m'a dit putain, toi t'es vraiment con. Après t'as un peu raison quoi. Il m'a dit que les capotes c'était plus cher que les bombes nucléaires. Je suis pas si sûr hein. Moi personnellement je savais pas qu'une capote ça coûtait des millions. Toi, en fait, c'est ton pays qui les achète, mais il te les vend en moins 19, moins 99%. Vous êtes bien 30 geeks dans votre salle, les petits enfants. Chris, tu sais, moi, je sais qu'est-ce que tu penses en fait. Moi, je sais pile poil qu'est-ce que tu veux. Tu sais qu'est-ce que tu veux pour Noël. La légende. Pour Noël, tu veux une vraie meuf. pas une imaginaire. Vrai. Il n'y a pas d'imaginaire, toi. Et toi, fais gaffe, fais pas le malin. Parce que t'as déjà tout foutu dans la merde. mais sauf que tu connais même pas le prénom de ma meuf. Ouais, mais quand tu m'as fait un câlin, t'as fait tout foutu dans la merde. Fais gaffe. Bon après, en plus, jeudi tu finis, c'est à quelle heure? Jeudi, 15h. 15h? Ouais, 15h15. Parce que jeudi, t'aurais pu me voir. Hein? Ouais, jeudi, t'aurais pu me voir. Bon, t'aurais fini dans les 17h, t'aurais pu me voir. Je te jure? Parce qu'en fait, moi, je t'explique. L'origine, on a besoin de toi. Alors, je dis, tu vois, on m'appelle, hein. Moi je bouffais mes lions dans mon lit, et donc je devais me rendre au collège à peu près 17h20. Tu vois. Donc moi j'y vais. Tu vois, petit accueil royal, hein, tu connais. Raphaël il dort, il ronfle. Raphaël, bouge-toi, on n'a pas le temps, on est en mission importante. Ouais, j'avoue là. T'abuses. Après on dit que moi je dors en classe. Allez, m'a fait du boulot. Brice, pour toi c'était quoi la meilleure réputation que t'as eue? De quoi? Dans toute ta vie, c'était quoi la meilleure réputation que t'as eue? De la réputation ou quoi? Non, tu sais pourquoi? Moi en fait en CE2 on me surnommait le dormeur. Moi je suis content en quatrième en fait. À chaque fois que moi j'étais chez madame Lassier, à chaque fois qu'on attendait madame Gilles pour nous faire anglais, je réussissais à m'endormir. Et aussi là tu vois cette année on a fait une sortie
ma classe. Spécial d'anglais. Non. J'ai eu le malheur j'ai eu le malheur de m'endormir pendant le trajet en bus. T'as été au spectacle d'anglais là? Hein. T'inquiète pas que tout le monde a sorti son petit téléphone, un outil de technologie futuriste, hein, et m'a photographié pour le mettre sur le compte Snap. Comment elle s'appelle? Léandra et moi, on a été pris en photo. Hein, ouais. Et il n'y a pas que moi. Il y a le troupeau. Attends, il y a les filles qui m'ont pris en photo. Il y avait Lison. Brice, est-ce que tu connais Lison Brice, une meuf dans ton collège qui s'appelle Leïla? Leïla? Ouais. Je crois que oui, il y a une meuf dans mon collège qui s'appelle comme ça, mais je la crois pas connaître, tu vois. Et il est bourgeois. Oh, ça fait quelque chose, ça. Bah, elle est dans 6ème. Ouais. C'est ça, la meuf de Kenzo. Non. C'est son mec. C'est la copine de ma meuf. Wow. Cette fois, oui. On va bientôt se battre. Mettez-vous dans le robot. Non, j'avoue, en vrai, c'est ma meuf. C'est juste son prénom. Leïla. Ouais. Oh putain. Bonjour. Oui. En 6ème. Oui, dis. Alors, c'est quoi? Oh, le non-respect. Je la connais. Eh, Jonah, critique pas trop parce que l'année prochaine, je crois que tu y es toi aussi. Hein. Ouais, Non, ça c'est Bruno. Bah, moi j'y serai jamais. Ah, Bruno. Prio. Triolet. Je le connais, c'est mon voisin. Allô, Prio. Ouais. Priolet. À côté de la gendarmerie. Ouais. Oh, dis-toi, c'est mon meilleur pote. Ah, il est dans ma classe. T'as pas Nicolas Varin? Non, et lui il est chez Madame des Bois. T'as pas Maurice Lecomte? Putain. Le gars il est grave, hein. Je crois que Nicolas il est en sec pas. Ah bah c'est le pire ennemi de mon père. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Son père l'a le chercher à mon père. Bon si quand t'as presque plus de rencontré le père de Nicolas. Oh putain. Mais il est bourré, hein. Oh bah. Mais aidez-moi de la journée, lui. Matin, midi et soir. Et vous voyez le trou que j'ai créé là? Les est très mal placés, cachez-vous. Ah bah moi je les ai. Je sais mais j'ai pas envie de savoir. Les très mal placés où je pense. Ok, cette soir je l'ai pas. Ouais, y a intérêt, ce mais soir, je l'ai pas. Ouais. Bah ce soir. Hein. C'est demain matin, j'ai l'esprit mal placé. Je suis en 6ème. Wow. On n'est pas des putains francs. Je suis en 6ème, moi. Quoi? Je suis en 6ème 2. C'est la pire chose. Attends deux secondes, toi. T'es en quelle classe? 6ème 2. Toi, t'es en 6ème? Ouais. Ah ouais. Dis-toi que l'année prochaine, tu vas la supporter longtemps, Chana. Pour moi, t'étais en CM1, CM2. Ah merci. Et alors lui, il va. Et Kenzo, toi tu vas être dans la merde. Parce que. À la fois c'est gentil et méchant. Imagine, ta meuf est pote avec Chana. Mais je connais Leïla. Elle m'a donné des poux. Ah ouais, donc en fait c'est l'inverse. C'est deux pires ennemis. On a eu des problèmes en CM2. En CM2. Ouais. T'étais dans sa classe? Ouais. Chez Monsieur Lopra, donc. Ouais. Sa soeur s'appelle Lindsay. Qui se trouve actuellement être en C1 chez Madame Pruvot. Non mais c'est... Non, c'est Lilou. Mais de quoi? Sa soeur Lilou? Bah oui, Lilou, bonjour. La purée de Coralie. Attends, de quel Lilou tu me parles? Parce que j'en connais deux, moi je connais Lilou ma reine. Lilou la petite sœur à Leïla. La petite sœur. Ah mais oui, une autre petite sœur à Leïla, ouais. La petite sœur en chinois, imagine... ça M'empêche. Tu vois là, imaginez
Kenzo ne connaissait pas vraiment bien sa meuf. Là, Kenzo a un petit côté, hein. C'est pas une fête. Mais juste l'événement, c'est dans combien de temps? Ah, dans 6 minutes. Elle a déjà sorti avec un PD, hein. De quoi? Oh, c'est grave. Elle est sortie par un, avec un PD. Hein? Elle s'est déjà fait sortie de... avec un. Voilà. Elle s'est déjà fait sortie une question. Elle a pris un Red Bull, elle s'est calé une balle en plus. Attends, de qui tu parles? Tu parles de Tom? Tom qui? Non. Tu parles de Tom? Tom qui? Tom Grappinet. Grappinet? Ouais. Oh putain. Ah bah ouais, bah oui. Ça a bidé. J'ai plus d'écalin. Non, ça veut dire que je vais chez toi, moi. Hein? Moi, c'est pas du tout une nouvelle. Hein. Non. Mais moi, j'aimais. Raphaël, réveille-toi, Raphaël. Je répète, soldat Raphaël. Réveille-toi, on a une mission spéciale dans 6 minutes. Non, mais t'inquiète pas, moi j'ai des espions au collège. Hein. Ouais. Y'a moi. Ah bon? Ouais. Ah, mais je te jure, Brice. Dis, Raphaël, réveille-toi. Raphaël, t'es pas mon pote, je t'aime pas. Oui, je suis là. Raphaël, va vers le cœur. Okay. Va vers le cœur. Raphaël. C'est bien, t'auras des conquêtes. Va vers Sana si t'es en crush sur elle. Hein? Va vers Sana si t'es en crush sur elle. Elle bouge pas. Hein? Va vers Sana si tu es en crush sur Sana. Va vers Kenzo si t'as un crush sur Kenzo. Et va vers moi si t'as un crush sur moi. Ah c'est Sana. Je t'en fous là. Moi je me tire de cet endroit. Kenzo, tu veux emmener avec toi, j'ai peur. Ah mon pote, on va se barrer hein, parce que moi il va péter. C'est chelou. Encore 4 minutes. Mais 4 minutes avant que je te saute le caisson. Ouais, mais donc Brice, le caisson. T'es déjà est-ce que t'es déjà sorti avec une fille? Bah là, je ressors de mes années les plus vieilles. Quand j'étais jeune. Waouh. C'est mieux. Moi, j'ai dû sortir. Le maximum peut-être que je suis sorti avec une meuf, ça devait être 2-3 ans. Ah non, moi je crois que tu parlais deux fois. Oh, même pas une semaine. Brice, t'as égorgé combien de moutons dans une vie? Alors là, j'ai égorgé Ben. Ben. Ah, tu as vu la coiffure de Ben? Ah oui, j'ai vu pour Einstein. La France, c'est une abomination la coupe. Frérot, pas bientôt. Même Kenzo, il a plus de flow. C'est un compliment, non? Ouais. En plus, il a même pas fait ses contours. Oh, le con. Et là, tu vas pêcher une meuf et là. Ah, mais oui, on est sur la lune. Bah oui, et c'est que là qu'il s'en rend compte le gars. Mais c'est pas ouais comme si ça faisait 36 minutes qu'on disait. Tu sais, est-ce que tu sais quel jour on est? Le jour où t'as pêché pour la première fois. Raphaël, le jour où t'as pêché pour la première fois. En vrai, t'étais pas si loin. Dis-toi, je suis en couple avec ma meuf depuis au moins 2-3 semaines. Mm-hmm. Et c'est normalement on s'est mis ensemble samedi. Et le pire c'est que comment te dire quand ça va pas durer. Ok, tu parles combien? Zéro. Fais gaffe Brice, j'ai déjà gagné 15 balles grâce à ça. Ouais, et deux secondes plus tard ça durerait du. J'ai déjà gagné 15 balles grâce à ça. Ah ouais. Attends. Ignore la demande de maintenance. Je pense que l'entretien des essuie-glaces peut attendre. Soldat, mettez. Eh! What? Non, pas encore! Pas encore! What? Pas encore! Sortez vos capsules! Et on n'est pas dans nos capsules? Ah bon? Ah ouais.
Caporal, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi les capsules sont fermées? Pour pousser la porte. Il faisait trop froid. Eh, Chana, je te tiens, je saute le caisson. Les capsules sont fermées. Je vais sauter le caisson, toi. Viens avec moi. T'es bien. Attends, tu sais que je saute le caisson. À tout l'équipage, les 7 ont intercepté des transmissions de Geno à destination de la professeure Sloan. Nous pensons que le système d'attaque de l'Institut Oniri atteindra sa masse critique plus tôt que prévu. Si on ne l'arrête pas rapidement, attends, c'est bon, ça commence. Sur l'île sera éradiquée. La mission sera menée par la meilleure capitaine de méca de toutes les réalités. Moi, oui, je sais, moi. Merci. Et c'est pas elle. What? Yo. Ça va? Je suis ton supérieur. Bah, tu me donnes le respect, tu fermes ta bouche. Attention. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme définitif à l'Institut Onirique. Tu me donnes le respect. Notre cible est leur système d'attaque. Mais quand tu fermes ta bouche. Équipe au sol, au rapport. Il faut respecter les femmes. Équipe au sol, en attente. Mettez les boucliers HF d'ici votre arrivée sur l'île. C'est pas pour rien qu'on m'appelle la légende. Eh oui, John Donne. Bien reçu. Non, on t'appelle pas la légende, on t'appelle la victime. Bon, vous êtes prêts? D'accord, ok. Tout le monde en place! Tout le monde en place! Go, 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 go! Tout le monde en place! Oh, go, 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 go! Wow. Équipage, à vos postes. Allez, tout le monde en place, là. Go, go, go. Le gros là. Allez, voilà, c'est moi. Bon, allez, là. Allez, en mode transformer. Ok. On est en mode transformer, là. 10 coulages. J'ai oublié mon permis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le gros pilote, il est là. Wow. On est le super héros. Ouais. Attends, il y avait notre collègue au nord. Go. Armement opérationnel. Il faut qu'on se fraye un chemin à travers ces cailloux. Allez les gars. On casse ces cailloux là. C'est un peu difficile si j'ai plus de batterie hein. On casse les cailloux. Faites piou piou. Pour sauver Fortnite, mais si ce jeu nous a fait dépenser plus de 1000 balles. C'est déjà beaucoup. C'est ce coup-là. Wow. Allez, on approche. Houston, allez, on approche. Bande de malades. Bande de chauffards. Elle est pas bien. On va tous mourir. Hey, va t'écrabouiller. Accroche ton caillou, ça ira. On va tous mourir. C'est pas la même lampe là. C'est moi les graphismes, ils sont beaucoup plus beaux. Attends, y a pas de panier sur Fortnite. Si. Ah, sans gros. On n'a plus beaucoup de temps pour frapper l'impacteur. Dégagez-moi juste le passage. La légende, je croyais que tu t'en occupais. Ouais, on s'en occupe dès qu'on aura trouvé comment faire. On s'en occupe. Ouais, voilà. Go ! Les missiles, là ! On a tiré ces missiles ! Ah. Go, go, go ! Wouhou! Là! Alerte! Signal de haute énergie détecté. Là! Un tir laser, à leader! Gare à l'impact! Oh. Pleine puissance. What? Dans le rayon thoracique! Oh! Allez! On est sur pour. Oh là, il y a l'institut, les ouvriers. Wouhou!
C'est bon, on a gagné. On est les meilleurs. Aïe. Wow. Faites gaffe, c'est des missiles. C'est là. Attention, missile. Attention, missile. On a besoin d'un missile. J'suis en train de contrer les missiles. Ah, vous m'avez touché. Missile. Abattez-moi ces missiles. On en laisse passer beaucoup trop. Ça va? Réponds. Ça va. On est à chef. Tous les systèmes sont touchés. On n'ira pas loin si on répare pas d'abord. T'inquiète, je sais qui appeler. C'est à toi de jouer, mon pote. Qui ça? Non. Banane. Banane. Merci, Nightmare. Merci, Nightmare. Ça a servi à quelque chose d'apprendre à conduire maintenant. J'arrive vous pas avez à croire vu que ça marche. Bravo, Banane. Merci, Nathan. Ça a servi à quelque chose. Nathan a servi à quelque chose pour une fois. Dans sa vie. On va se rencontrer. Reprends! Dégage! Ça servait à quelque chose finalement d'apprendre la couture à la force! Mais vrai? Mais c'était banal! On a éradiqué les boucliers! Moi je pensais que ça serait inutile! On est en route! Oh là, il est mort. Luminolame activé. Oh, ah, merde. Ah ouais. Ça va plus tard dans les chutes de la mousse. T'as trop le choc. Concentrez-vous sur les portes au sol. Ok. On s'occupe des tanks, hein. Hop là. Personne fait les chutes de la loot maintenant. Ok. Plus personne. Les esquives de la loot, c'est non. Moi, je dis, c'est validé, la patte. Allez, allez, on tire sur le truc. C'est le moment où jamais. Pleine puissance dans la lame. Oh. Ah là 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 là. Attendez. Éjection, éjection. Quoi? What? What? Attendez au moins. Mais non. Il y avait pas de blessé. Il y avait allez, allez debout, faut y aller. Sloan n'a pas l'air de nous savoir ici. Je tiens quand même à signaler qu'on a le même style. Donc déjà, là, hein, tu me dois un minimum de respect. Moi, tu vois, je vais te casser. Ensuite. Ça va tirer. Wouhou. Tu ne te cacheras pas éternellement, John. Aidez-moi à éliminer ces gardes. La fière. Ah oh bah attends, ma pute de gueule. On m'appelle Gotaga, la fière. C'est pas ma guerre. On a un site, oui. On m'appelle Gotaga, la fière. Je vous connaissais, toi, la fière. C'est pas ma guerre, Joe. C'est pas ma guerre. 100.0 touche le cristal au sommet de l'impacteur. C'est la fin de tout. Ouais, je m'en doutais que ça allait toucher le point zéro. Gardez vos distances. Si vous voulez pas être aspiré, je sais pas. T'en occupe, s'il te plaît. Merci. Oh, bah, oh, restaurant. Mais Zoro, c'est quoi? Personne ne part avant d'avoir éliminé toutes les menaces. Et les Zoro, c'est quoi? Attention. Oh, l'occupe. M'en occupe, m'en occupe. Brice, avec moi. Avec moi, Brice. Allez, Brice. Voilà. Ah, bon boulot. Je passe devant, je suis peut-être Johnny.
Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. Dark Vador, espèce d'enfoiré. Je t'aime. En utilisant mon script de Gotaka. De Gotaka de Wish. Tu Gotaka de Wish. Tu devrais apprendre à laisser tomber. Mais bon, il nous faut Obi-Wan. Je vais enfin pouvoir mettre. Où est mon pote Obi-Wan? Il est où Dark Vador? Oui, Bruce, essaie de reconnecter. Il est où Dark Vador? George, c'est une gagner du temps. Attendez. Bruce, avec moi sur le top. Sloan, rien ne t'oblige à faire ça. Oh, toujours aussi théâtral. Une dernière parole, Jones. Attention. Dans le milieu, alors dans le milieu, je sais pas, mais on a, je crois qu'on appelle ça un karma. C'est trop ça. C'est trop ça, un karma. J'avoue que là, c'était beau. C'est quoi cette merde? Le point zéro est concentré sur Geno. C'est l'occasion de lui mettre la main dessus. Faut y aller. Et nous alors? Bon, c'est à vous de jouer. Bon, on a pas beaucoup de temps. Les vaisseaux peuvent faire exploser le point zéro. Aujourd'hui, demain matin. Allez, à la une, à la deux, à la trois. Le point zéro est presque sommé. Encore un. C'est le point zéro. Il est pas à vous, il est à nous. On arrive, Nick. Pas de panique, je suis là. Ah, on a survécu. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça. Ah, les Euroc. Ah, les Euroc. Ah, les Euroc. Ah, les Euroc. Ah. Oh, trop stylé. Le meilleur check de l'histoire. On l'a trouvé. Tiens, en fait. Mais dis pas que ça se finit sur ça. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, ça se finit sur ça. Non. Si. Je préviens là, je peux faire un karma. Ouais, ça se finit sur ça. En vrai, il était bien l'événement. Ouais. Bande de bâtards à mettre à suivre. À suivre dans le prochain phase de combat. C'est la fin de cette vidéo, si j'espère que ça vous a plu. Vous savez que vous allez si perdre le cas, beaucoup n'oubliez de pas en à liker, ça. Commenter et partager. Moi je vous dis à la prochaine.